Dans cette vidéo, tu vas voir un replay d'un live Twitch que je viens de faire. La partie était super super intéressante parce qu'on est sur de l'ultra flex TFT. Donc c'est vraiment jouer TFT, mais niveau de difficulté plus plus plus. Et voilà, je pense que la partie est très intéressante. Elle a été faite dans le top 0,8% de la player base, donc actuellement platine 3, donc sur le deuxième jour de la sortie du set. Je pense qu'il y a pas mal de trucs intéressants. Je crois qu'elle lag un peu, ça lag un petit peu le truc. Mais je pense que ça reste assez regardable, en tout cas de ce que j'ai vu moi en regardant un peu le rush. Dans tous les cas, je vais aller acheter un PC. Je l'ai juste après la vidéo, comme ça, les prochaines ne lagueront pas comme ça. Et je te laisse visionner, kiffer, n'hésite pas surtout si t'as des questions à les poser en commentaire. Donc là, on a deux dragons, j'ai jamais joué dragon. On verra. Je sais pas si on va jouer dragon, mais. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. C'est hors de ma zone de confort, en tout cas, cette bête-là. Bon, alors du coup, on a du dragon, du hunter, du shapeshifter. Est-ce qu'on a là-dedans? Il y a du hunter là, vite fait. Ça peut être une game hunter. Avec une tire. Ah non, c'est terrible. Ah, les unités correspondent pas à mes items, quoi. Et du coup, il vaut mieux quand même que je prenne le deuxième Twitch. Au cas où. Ouais, ok, je peux pas une hoge. Envisageable. Ça c'est bien. Ça c'est jamais ça. Ça on n'a pas du tout le start pour le jouer. Ça c'est très fort et on peut angle karma avec ça. Et dans ce cas-là on fera genre un statique, un truc comme ça. Par contre j'ai aucune sorcière. Et sinon bah je joue dragon et auquel cas je pars là-dessus quoi. Ça c'est vraiment vraiment fort dans la méta actuelle. Oh! Ok, on joue une streak avec ça? C'est-à-dire que du coup je prends lui, je push lui, je rends lui, je fais ça. Et là je retrouve avec une vraie synergie. Hein. Au pire je fais juste un Last Whisper. Non mais la tire. Ouais si je fais une rédemption. Ah mais j'ai pas besoin de Last Whisper. Merde. Bah si j'ai pas besoin maintenant. En vrai en synergie wise il est pas déconnant notre board. Hein. Faut juste j'ai des upgrades quoi. Et là j'ai que des doublons d'unités donc il y a quand même de grandes chances que j'ai des upgrades. Hein. Techniquement. Ouais, bon, ça c'est techniquement quoi. Après, la réalité quoi. Je sais pas c'est quoi le mieux ici. Parce que Jace, évidemment, c'est plutôt un perso qui est censé être là. Et bah, pire, je fais un truc comme ça, tu vois. En vrai, j'ai une idée, je fais ça. J'y crois à ce positionnement. Et ta TFT. C'est mon Chrome. Je slam. Ouais, il faudrait que je slam, mais. Vas-y, je slam. Oh, j'ai pas besoin de slam en vrai. On éclate. Allez, golem! Allez! Oui? Oui? Ok, pas besoin de slam, nickel. J'ai le palier. Hop là. On a nos doublons. On est bien là. Juste on les up upgrade. Oh ce jeu putain terrifiant ce jeu. Ah ouais bah c'est bien, j'ai un Jace, un rat, un dragon et un gros dragon. Merci merci Mordog, super, très content. En fait je ferais bien la Swisper mais lui je serais déjà et je ferais bien une hoche mais en vrai hoche sur une unité à distance, c'est pas dingue. Quoi. Mais d'un autre côté, maintenant que je suis en win streak, j'aimerais bien rester en win streak. Et en fait, le truc, c'est que. Oh non, vas-y, fuck. Hein. Je slam. Oui, c'est slam pour rien. Fuck le slam. Ah, lui, il a eu des upgrades. Hein. Lui, bordel, il l'aime bien. Non, en slamant, je perdais quand même, donc c'est pas grave. En vrai, il mieux vaut pas avoir slam. Que la tire peut me permettre quand même de faire des helm en front, rédemption en front, rédemption c'est fort si je joue shapeshifter. Ouais c'est fine. Ok alors qu'est-ce que je veux du coup si je suis hunter je veux genre un... là je fais un run-on. Oh putain, bah la BF alors, ouais super. Vas-y, bah l'armure. Terrifiant, j'ai rien.
Ah, j'aurais pu faire une Guinsoo par contre, putain, j'ai pas pensé. Ah, j'étais omnibulé par le Hunter. Je suis con, j'aurais dû faire une Guinsoo. Et après, je me suis dit, bah, m'attire, j'en fais quoi? Ouais, bon, tant pis. Ouais, non. Ça, c'est une meilleure unité que ça. En vrai. Et quitte à avoir perdu, vas-y, j'ai rien. Là. Autant open, quoi. En vrai, je peux rentrer une Witch et être fort. Mais est-ce que je le fais? Puis Protector, c'est pas non plus incroyable. Surtout sur Shyvana, ça pue, quoi. Oh, vas-y, tant pis, on open. Hein. Vas-y, on va. Regarde, une sorcière sur le Teco. On vend ça, ça. On va gagner, donc c'est pas gênant. On garde le chêne, du coup. Ça c'est fort aussi sur Hunter. Hein. Mais si. C'est bien aussi sur Multistriker, mais. Je suis déjà sur un Start Hunter. Ouais. Bon, on reste open et je pense qu'on vendra ça pour faire le palier et puis ouais. En vrai, c'est pas grave d'avoir la front en backlane là actuellement, parce que quoi qu'il arrive, ils vont s'avancer prendre l'aggro, donc autant qu'ils aient le bonus. Ça me fait un board plus fort. Faut que je scoute le Lebi aussi. Donc là, on a Multistriker, Pyro, Bastion. Striker, donc tu vois, on fait bien de parler sur Multistriker. Une hero augmentée 10 contre nous. Animancy. 5 Eldritch. Et ça, c'est moi. Non, c'était pas moi. Y'a un autre mec sur Hunter? Non. Attends, faut que je vende mon unité là. En vrai, 30 gold c'est propre, je pense qu'il y a pas. Ah si, hein. Ah si, y'a des gens. Ok. Ok. Et là, du coup, l'avantage, c'est qu'on a gardé tous les composants. Du coup, on peut plus facilement slam efficacement par rapport à la compo. Et ouais, je pense qu'on va jouer un board autour des unités qu'on a déjà et slam des compos qui correspondent à une compo late game, mais pas forcément celle qu'on joue maintenant. Ouais, ils sont morts pile en même temps. Incroyable. Alors, zéro gold là? Oh, putain, qu'est-ce que je vais faire de ces tirs? J'ai pas une compo tir là. Hein. J'ai vu que je joue AP, bah oui. Ou alors des trucs front, mais genre du Gear Fura. Ouais, je sais pas trop du ce plan. Ouais, parce que les tirs, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Ah, faut que je réfléchisse, là. C'est là où ça commence à être compliqué un petit peu. Ah, je vais garder ça. Pour l'instant, j'ai pas d'upgrade. Je sais pas, j'open, mais en gros c'est là où faut que je choisisse l'orientation de la compo. Mais c'est là où c'est le plus dur quoi. En vrai j'ai un. Je peux faire genre Shojin. Statique. Ça fait deux très bons items AP. Mais c'est-à-dire que du coup je vais pas du tout jouer Hunter quoi tu vois. C'est pas gênant hein, mais là j'ai un Start Hunter quoi, donc j'ai pas des persos qui vont le value énormément. Bon je crois que c'est ça que je vais faire quand même. Hein. Sinon je peux faire blue buff genre en mode karma. Mais j'ai pas de bon gear à part le blue buff. Il est incroyable ce board quand même. Alors chez les gens ils sont en open mais... D'ailleurs open avec heroic grab back c'est... Ah c'est conceptuel. Alors... Ouais. Ouais pourquoi pas. Ça reste une bonne augmente de borne. Ouais. Je peux mettre lui les deux en scolar, mais on s'en fout un peu en vrai de scolar. Fake. Et donc je sais sinon c'est du Gear Fura. Ou Gwen. Non, je peux du Gear Gwen.
Ah, fuck it. Nous y rappelle. Et là, faut que je mette sur la ma plus grosse unité. J'imagine que ça va être quand même Shyana, ma plus grosse unité. Ok. Ok, bon, on fera une comp à payer avec ça. Ça peut être Nami, Ryze, Karma, en vrai ça peut être un peu tout avec ça, c'est fine. Et l'avantage c'est que là du coup je garde ma streak, donc je garde pas mal d'économies. Là je gagne 2 d'or de plus que si j'avais pas cela. Je pense que c'est correct. Ça peut également... Ah non, j'ai statique, ça peut pas être Varus. Non, ça pue pas. Ah oui, c'est pas ouf. Il m'éclate trop ce positionnement de board, alors je le garde pour l'instant. Parce que ça me fait trop marrer, quoi. Donc c'est important de... C'est important de me faire plaisir. On est vraiment sur un style de jeu un peu particulier, quoi. Ce beau gosse de golem qui va au combat là. Et là on va avoir une Shyvana qui va arriver. Non 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 Gwen 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 Gwen. Quoi? Pas grave, ça passe. Sacré Gwen, hein. Pas bien ça, hein. Pas bien ce qu'elle fait. Yogg-Narkada, merci beaucoup. Comment tu vas, frérot? Ah, ça fait longtemps, hein, 3 ans. 3 ans. On veut quoi là? On veut Fiora, hein. Elle est belle Fiora. Attends, mais je suis dernier dans l'épique, je l'aurais jamais. Voilà. Gamer Girl, elle voulait aussi Fiora. Bah ouais, elle a déjà Gwen, tu m'étonnes. 4 Warriors là. Mais pourquoi un spell crit, moi? Comme ça? Allô? Ah, ça? Ah, okay. J'ai été un peu lent là, effectivement. Vas-y, on prend un TG. C'est ok. C'est ok, TG. Tous mes items se transforment en static shiv, super. 32. Non, bah là on va commencer à perdre des runes, c'est pas grave. Hein. Ah. Si là, le slam un TG fait la différence, je slam un TG sur Nico. Sinon c'est pas grave. Parce que normalement mon board il est plutôt clownesque. Mais j'ai pas en vrai, j'ai pas envie de push parce que je vais pas avoir de vrais upgrades de board juste avec 10 gold, tu vois, genre. J'ai dû en mettre trop bas, donc c'est chiant. T'as rush le chal? Ouais, ça va faire du... Ouais, non, là, je perds quoi qu'il arrive. Donc je vais garder comme ça. Ça va faire... Ouais, ça va faire chal cette saison. Ouais, c'est le but, ouais. Je poutre ce qu'est ça ou pas? Non, il est trop tanky, on est d'accord, il va regain. Ah, c'est close! Oh! Oh! Oh, même si qui met le wound qui fait la différence, non, mais incroyable. Incroyable. Et là on est... Pour l'instant on est bien en tout cas sur le... On est à l'aise sur les appuis sur ce set, je me suis énormément renseigné dessus. Donc ouais, on va essayer d'en faire... On va faire en sorte de passer assez de chal, ouais, ce serait bien. Là, on est déjà dans le top 1% des joueurs alors qu'on a joué 10 games. Ça va vite, hein. Ça va vite. Bah après, tout le monde n'a pas pensé le jeu, mais... Je pensais pas qu'en 10 parties, tu vois, on serait déjà dans le top 1%, tu vois. Ça a été vraiment vite, quoi. Eh, putain, on a un win streak avec ce board de clown qui n'a aucun sens. Les persos ont des items qui n'ont rien à voir. Toute mon équipe est positionnée en backline depuis le début de la partie, non mais... En vrai, là, du coup, le spot est excellent, mais c'est une game pas facile à jouer. Parce qu'il va falloir que je fasse une bonne transi sur les bons persos. Et c'est pas toujours facile, en vrai. De faire une bonne transi. J'ai pas envie de transimage, en vrai. Mais elle me permet de open l'option karma, qui est bien. Déjà, on va passer 7. C'est un Zilean, en tout cas. Préserver, hein. Mais vas-y, je la considère. On la considère. Et là, on va vraiment jouer full flex, quoi. On va attendre de voir les shops et on va jouer en fonction des shops, quoi.
Et... ça va pas être simple. Et là maintenant on a les compos offensifs. Ah, là. Ok donc. Vas-y, on va push un peu. On va remettre un vrai positionnement d'unité. On est à 30 gold. Est-ce que je vide mon PEL là-dedans? Je pense pas. Hein. Je fais le palier là. Je peux gear Fiora avec le bon gear. Mais j'ai pas envie de gear Fiora avec. Non. Elle prend le TJ, elle est bien. Je lui conviendra. Et ça, on va attendre. C'est incroyable qu'on soit quand même en win streak avec. avec n'importe quoi. En vrai, c'était un bon MMR et que chain win, ça gagne rapidement. Ouais, bah ouais, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Waouh. Ça, c'est bien. Hein. Ça aussi, ça me plaît beaucoup. Mais vu que je pars sur une karma, c'est plus fort, je pense, d'avoir ça. Alors, elle est forte parce qu'elle me permet de rentrer. En vrai, maintenant, on laisse tomber Hunter. On s'en fout d'Hunter. Hein. D'accord. Ma question c'est, est-ce que je dois avoir un sentiment d'urgence ou pas là? En vrai... 8-50 balles, je peux peut-être me permettre de jouer qu'au niveau 9 quoi. Parce que je suis encore 96 HP quoi. Est-ce qu'il faut que je me presse ici? Je suis pas sûr. Hein. Je pourrais aussi considérer Nami, mais avec ce gear, plutôt que Smolder. Ce que j'aurais dû faire déjà d'ailleurs. Après Nami sans mage. Nami sans mage quoi. Et là au moins bah, j'ai le wound et tout, donc mon board est plus fort avec Smolder. En vrai mon board est plus fort avec Smolder. Après il a comme mot 3, on devrait commencer à perdre quand même un moment. Ouais. C'est normal. Mais lui, il a 20 gold niveau 6, quoi. Nous, on est 8 gold, 50 gold niveau 8. Donc là, mes pitres, c'est ça, ça. Oh. Ok. Oh, pire, vas-y. Hein. On commence à avoir des bons items comme ça. Il aime beaucoup le Zeke lui, parce que son problème c'est qu'il caste pas assez dans le fight. Là ça résout un peu en partie ce problème. Et du coup je fais un fast 9 quoi. C'est encore plus dur parce que du coup je joue pour un top 1 mais il est plus dur à amener quoi. Parce que là du coup c'est à dire qu'il faut que je prenne les préserveurs que je vois, les arcanes que je vois. Comme elle d'ailleurs. Et les sorcières que je vois. Bon. Par contre, Xerath, non. On savait qu'on allait perdre là, de toute façon. C'est normal, on peut pas être à plus de... niveau 8, à plus de 50 gold. On n'a jamais upgrade notre board et ça se passe bien, quoi. Mais on a 75 HP. Là, si on a elle, c'est trop beau, mais alors vas-y, jamais. Jamais on laisse pris, on l'a. On a quoi, là? On peut avoir un bon item tank ou un bon red buff. Donc, un arc... une belt. Au pire, je fais une Guinsoo. Oh, c'est un peu nul Guinsoo. Prendre le gant et on va juste slam lui. Et ça. Peut-être une Nash Artus, un truc comme ça, on verra. Alors, est-ce qu'il y a des pitres à virer? En fait, après, il faudrait que je vire elle, mais pour l'instant, j'ai pas mieux. Préserveur, Sugarcraft, avec la Gwen. Genre, je mettrais bien ça pour Arcana, mais... mais... je peux perdre ça juste pour être un peu plus fort sur le combat, et perdre peut-être une unité en moins. Et du coup, on slam ça. On va commencer à mettre un planeur, du coup, maintenant qu'on a une pseudo-combo. Donc, on a envie de jouer des préserveurs, Rakan, du coup, donc ça serait notre front.
Avec du coup Morgana. On a envie de jouer Time Kench vu qu'on joue lui. Et un truc comme ça quoi. Et là du coup mes carries ça serait Fiora, Gwen, Xerath. Un truc du genre. Donc en gros je vire Shyvana. On vire Shyvana. Là on a des bonnes synergies. Et au pire à la place de Shyvana je peux aussi mettre un Azus temporairement. Un truc du genre, ouais. Ouf. Oh, il est terrifiant lui aussi, putain. Ah là, on prend des baffes, hein. On va passer à un 50 HP, un peu moins. Allez, Xerath, peux-tu retuer une unité? Faut juste faire un petit cas, juste pour voir, là. Oh, avec Chosniki, peut-être qu'il peut faire tuer une unité de plus. Deux unités de plus. Oh, Kali. Oh... Ok, ça va en vrai. Ça va. J'en ai des thunes. Maintenant, faut pas se foirer sur le niveau 9. Faut bien cliquer efficacement, rapidement. Tac tac boum boum. Il faudra virer du coup cette Shyvana. Harry, je clique, mais en vrai, on s'en fout un peu d'Harry. Hein. Harry, il s'en fout un peu. Ouais, même déjà à la vente Shyvana, mais j'ai peur de pas retrouver d'unité. Au pire, je mettrais sur Rakan. Ouais. Comme ça, je gagne en temps. J'aurais dû la vendre en vrai. Je gagnais un petit peu en APM et je pouvais faire des golds plus vite. Karma, ça se considère vraiment, vraiment. Ouais, Karma, ça se considère des 1. Vas-y, ok. Comme ça, on vire le charme. Elle, on s'en fout. Hein. Ouais, un truc. Non, mais mon board, il est pas très upgrade, c'est ce qui m'emmerde. Oh! Ok. On staff Rakan vite. Hein. Et on met un truc sur lui qui fasse mal. Ok, on a deux Xerath, on a la Morgana. Du coup, je vais virer la... Ah. Je ne sais pas encore. En vrai, j'en sais rien. Là, tu vois, on est sur un truc propre. Mais... mais j'aimerais bien rajouter Morgana. Ah, mais je vais Morgana à la place de Nico et on est bon, là, en vrai. Pourquoi je m'emmerde, moi? Ah ouais. Ah, c'est pixel ça. Ok, nickel. You bench have their item removed. Hein. On s'en fout. Là, on fait des upgrades. Oh! Oh! Ok. Attends, elle, lui, il va là. Elle, elle va là. Lui, il va là. Ok, ok. Attends, on va chill encore à Vangle. J'ai pas pris de charme de combat, dommage. Si, j'en ai un. Si, si, pardon, j'ai pris de charme des 5 costs. Ok, ok, ok. C'est peut-être une erreur, mais au moins j'aurais plus facilement Morgana. Et faut que je vois si je considère d'autres personnages du coup dans la comp. Ah bon, après cette partie pour l'instant c'est une masterclass. Hein. Alors on est sur du flex TFT. on joue ce que le jeu nous donne. Hein. On se démerde quoi. Incroyable. Non mais cette game elle est incroyable hein. Je reviens pas. Et donc toi tu vas là déjà. Dodge, ouais. Et ensuite je vais chercher des upgrades quand même, on est d'accord. Non, ce chrono là il rentre pas. Voilà. Il faudrait au moins Fiora 2, Gwen 2, machin 2 là. Un petit peu encore. Voilà. Genre mais préserver un niveau 2 ça serait bien. Elle elle a un gear front là, donc je vais la mettre là. Et comme on a une grosse backlane bien boostée,
Ah non, il a encore crashé mon soundboard. Je m'achète un nouveau PC. Désolé, il n'y a plus le son. Je suis obligé de relancer Voice Meter, il crash. Ah. Avec Xerath! Avec Xerath, oui! Mais c'est incroyable cette game, non mais what the fuck. Incroyable hein. Ah on est sur du... Ok, il me faudrait ça, mais vas-y je l'aurai jamais. On va regarder un peu ce que les autres ont. Le deny aussi. Ah, bah si tu me laisses Morgana, je dis pas non. Ah non. Le Rakan avec le... ça, ça me parle aussi. Ah, comme ça je mets sur Karma. Là j'ai pas de dire Karma, j'ai une Karma 2, mais c'est une Karma du... T'inquiète, tu vois. Elle s'appelle T'inquiète. Gain a random effect. Ça me va, ça me met pas hors tempo de faire ça. Ok, ça fait bien. La question c'est, est-ce que... Non, non, je garde mes deagles dans là. Ok. Alors les autres. Donc il y a lui qu'on a battu, qui a aussi shapeshifter Rise, avec l'augmenté 10. Il y a lui qui est terrifiant. Je sais pas, besoin de me repositionner. Et lui, on devrait le poutrer. Mais, bah là, il me faut quand même des upgrades. C'est-à-dire qu'il me faudrait deux Fiora, une Morgana, un Rakan. Bah comme là, tu vois, j'ai beaucoup d'unités d'orme sur le bench. Donc c'est possible, je perds. Je perds le fight. Ah. Xerath, il les a pas tués, il a trop speed ses missiles. Ça joue un peu la RNG de Xerath aussi, ce fight. Parce que là, tu vois, genre, il faut qu'il tue à tout prix le Kog'Maw. Ok, ok. Et après... Après, en vrai, Rumble n'est pas une unité. Et ils le font 3. Et du coup, voilà, ils perdent. Parce que Rumble, c'est pas une unité. La game d'avant, c'était pareil. On a eu des gens, on les a battus. Parce qu'ils pensent que Rumble est une unité. Mais pas du tout. Ok, j'ai trop d'upgrade pour pas roll au moins 2 fois. Et puis, il me faudrait un charme. Vas-y, je clique ça, tant pis. Hein. Ça reste quand même beaucoup d'HP sur toute mon équipe. Et là, au moins, j'ai les 10 gold. On a le PVE, on aura des sous, on fait le palier des 1 gold, et ensuite on dunky. La compo quoi. Et là on est contre lui, en positioning. Dame il va un peu casser les couilles, mais en vrai ça va. Au moins là, ce qui est important pour moi, c'est que son Tam il cancel pas mon Xerath. Le reste, j'ai pas une team qui peut aller chercher facilement là-bas. Et mes warriors sont mes frontliners donc. Ah, il a quand même été lui mettre un stun. T'as vu le Xerath là? Il a pris le stun du Tam, c'est terrible. Allez, là tu mets tout sur elle. Ah non, tu speed trop les dégâts, mon ami. Ah. C'est close, hein. Ah, c'est close. Ok. On a plein d'upgrades. Juste toucher les upgrades ici, donc ça va. On a beaucoup d'upgrades. Et c'est le mec qui est en streak qui nous a battu, donc c'est un peu rassurant aussi. Elle est marrante cette game en vrai. Et ça se met aussi qu'on ait des gros charmes d'Exerat là. C'est vrai qu'on les a pas eus depuis tout à l'heure. On a eu juste l'augmente des 5 costs là. C'était peut-être une erreur parce que je veux pas tellement de 5 costs que ça qui me manque. Mais c'est peut-être une erreur. Oh! Merde. On sort plus l'une. Moi, je suis tellement confiant qu'on vend en même temps, on regarde, on fait ouais. Oui, non, j'ai déjà. Allez, Rakan, 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 Rakan. Oh, Harry 2. J'ai quand même. Ça, c'est très très bien, parce que j'ai vraiment besoin de front. Et en plus, en préserveur, il va vraiment me le value. Donc, Gwen et Fiora sont déjà 2. Donc là, il m'a manqué Morgana. Et on est pas mal, hein. Allez Xerath. Fini le rise. Voilà. Allez, allez, allez Rakan. Rakan. Ok, Karma, elle débuffe, elle débuffe. Oh moi une reine cette Karma. Nickel. C'est relativement close quand même. C'est quand même assez close. Hein. Non, on n'avait pas de charme de combat aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec ça.
Deux champions with the items gagnent. Ouais, ça me va. Hein. Morgana? Morgana? Ok, Morgana? Ouais, je pense que le positioning est bon. On est sur le 4 là, on est contre lui. Lui, il a tout cassé dans le coin. Il a un gros Wukong devant. Mais split mes unités, ça va pas m'aider, je pense. Et là, au moins, on a Rakan du côté de la Jinx, ce qui est l'élément le plus important. Yo, Elzaïm! Yo, yo, yo! Comment tu vas, frérot? Ok, le problème, c'est que c'est un gros Wukong. Il a un très beau setup hunter. Maintenant, faut que Xerath, il rentre les points, quoi. Aïe. Oui! Let's go! Ça, c'est le monde de combat diff aussi, hein. Allez, on le sort. Hop là! Incroyable. En vrai, on a fait un bon petit setup à la volée. Champion du petit Gator. Allez, vas-y. C'est pas une augmente de combat, mais au moins, ça marque le point. C'est vrai qu'elle a pas d'item. Elle a pas d'item. Est-ce que c'était si intéressant que ça de foutre le... Je pense que j'aurais dû chercher un charme de combat ici et pas l'upgrade. Après, en vrai, elle gagne quoi? 125% sur le shield. Elle gagne 1,8 fois son montant d'HP de base. Ah si, c'est quand même... J'aurais dû scouter et me positionner ici. Genre par exemple elle, ça c'est une grosse erreur, elle est très très mal positionnée. C'est... J'ai merdé là. J'ai merdé big time. Elle avait rien à foutre là sur... Fuck. Si je perds c'est ma faute. Si je gagne c'est quoi qu'il arrive on était bien mais c'était une énorme erreur d'avoir Fiora comme ça. Ok, bon, Xerath il est trop fort. Xerath il a... Oh non ouais vas-y. Tu sors mon ami. Ok. Oh, elle va sur YouTube, celle-là. Putain, je suis trop content, quoi. Sur ce set, on fait des résultats de dingue. Mais vraiment, genre, c'est une dinguerie, quoi. Là, sur... Attends, mais... C'est incroyable, hein. Attends. C'est ouf. J'ai eu ça, j'ai mon PC a crash avec le submitter quand j'ai voulu lancer le stream. Du coup, je me suis retrouvé en crash, donc... Elle compte moyen, tu vois, cette pile, parce que bah, j'ai crash dans la game. Sinon, j'ai fait un top 5, un top 4, un top 3, 6 top 2 et 3 top 1. Et là, on est déjà top 0,8% de la player base. Hein. Enfin, même dans mes rêves les plus fous, on ne sait pas un départ aussi bon que ça, quoi.